bénisse. C'est vraiment important de vous donner des techniques spirituelles et de prier pour vous. Vous savez que hier, c'est à 10h, je suis parti. Je n'ai pas dormi pratiquement. C'est vers 23h que j'ai dormi. J'étais en train de régler certaines choses. J'ai décidé d'être là ce matin. Il y a une émission à la radio, sur ma maman. Après ça, il y a toute la direction ici. Parce que je me dis, mais il faut que je prie pour vous. Il faut que je prie pour vous. Que Dieu bénisse. Mais il est vraiment important de partager des choses avec vous. Des connaissances spirituelles. C'est à partir de la connaissance que vient la grandeur. Amen. Oui. Si tu veux ton voir ton enfant devenir grand, type, tu l'envoies à l'école. C'est pas ça? C'est ce qu'il va apprendre là, qui fera de lui un grand. Sinon, ce n'est pas son âge. Non. C'est ce qu'il a dit là dans sa tête, il va apprendre là, qui fera de lui un grand type. Donc, qu'est-ce que tu as appris pour être grand? Si tu veux voir un grand type dans ta famille, tu l'envoies à l'école pour qu'il ait de la connaissance. Ça partit de la connaissance. Si tu veux un grand type, sinon c'est pas son âge. C'est la connaissance qui apporte la grandeur. C'est la connaissance. Qui te donnera le pouvoir. Tu n'as pas peur. C'est comme ça. C'est quand tu ne connais pas que tu as peur. Et c'est ça le votre problème. Vous n'avez aucune connaissance. Donc les choses vous font peur. Amen. Vous font peur. Pourtant vous avez avec vous le lion de la tribu de Juda. Moi, j'ai dit aux gens, le jour que tu as fait la crasso, il y a qu'on a crasso, car oui, faut dire que tu as un problème. Ah, problème, oui, quoi, quoi. Ça y est, tu crées des problèmes. Parce qu'on est en bonne maison. Quand vous lisez la Bible, dans la version hébreu, la Bible dit Dieu fait de toi un esprit. Bible, il y en a pas là, non. Je ne parle pas de toi, chrétien. Tu deviens un esprit. Amen. Vous êtes des esprits. Et Dieu vous a fait mettre des esprits. Le jour où Saül a eu affaire à David, un esprit est venu de Dieu. L'entrée en Saül. Tu peux commander un esprit de venir. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Mais c'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est à partir de la connaissance qui vient la grandeur. C'est pour ça qu'il ne négligeait pas des enseignements. Il dit aux gens, il dit ce que je suis en train de vous enseigner là. C'est ce qu'on appelle en matière de nourriture hors d'œuvre. Oui. Il y a des connaissances. Si tu maîtrises, si tu ne mets pas en Jésus, le fait de connaître le temps, parce que le temps, il est le maître des temps, des circonstances. Moi, je crois que moi, il y a des choses quand tu fais à des périodes, ça marche. Même si tu n'es pas fait de Jésus, ça marche. Amen. Regardez quelqu'un qui se lève un matin en février à Zambie qui vient faire du rizier. Vous avez dit que mon ami, tu es fait fou. Tu ne connais pas, tu es fou. Monsieur, toi tu es planté, tu connais. Moi, tu pleurais ici, en cas de donner d'abat, tu allais faire chant de Niam. On lui a dit non, tu es venu ici, je vais faire 10. Donc, les saisons, tout ça. Vous devez maîtriser. Il est c'est des choses que vous devez connaître. J'ai dit aux gens, il y a des heures de prière. Ne négligez pas ça. Le seul problème, je vous dis, la spiritualité, vous voyez, ça horreur. Non, l'esprit, les choses d'esprit. Vous voyez, ça horreur. Et la négligence. Ce n'est pas la négligence.
Vous savez, quand on regardait là-bas de l'autre côté, quand le juif t'a trompé, tu t'as mangé ton totem, il n'y a pas pardon, ta bouche brûle. Ta bouche est brûlée, appelée partout. Non, non, vent. La spiritualité a horreur de la négligence. Ton seul problème, tu négliges. Pour toi, Jésus doit tout faire. Mon c'est dangereux. Tu n'as pas compris la Bible. Comme si je vous donne le pouvoir, il ne viendra plus lui-même faire. C'est toi qui dois faire. Dis amen. Amen. C'est toi qui dois faire. Mon autorité. C'est toi qui dois faire. Autorité. Amen. Amen. J'ai dit moi. Non, mais. Faut avoir lance-roquette. N'a d'ici moi. Et quand on pas rentrer. Amen. Amen. Je vais vous montrer le sujet ce matin. Amen. Dozo fait ça, ça rentre pas. Jésus, le Esaïe 54, verset 17. Je vais vous montrer comment vous allez faire. Esaïe. Il n'a qu'à voir là sur quelqu'un et met là. Ça te dédie. Prenez Esaïe 54, verset 17. Vous connaissez, vous maîtrisez le verset. Ça est dans vos têtes, ça est dans vos. C'est tout ça. Hein? Agbe, mais c'est comme un nid. Je vous donne anti-balle. Regardez sur mon YouTube. Il y a un sorcier qui a tiré sur moi. Il a eu problème. Il a tiré sur moi. Il me regarde, je tombe pas. Celui qui a problème. Tu as tiré sur moi. Moi, j'ai tombé. J'ai dit aux gens, le jour il y a un braquet chez moi, il va avoir des problèmes. Il va tirer, ça ne va pas résonner. On n'est pas un aïe. Prenez Esaïe 54, verset 17. Prenez ma version parole de vie. 54, verset 17. Allons-y. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous m'attaquez. Regardez, il y a une différence entre le second et ici. Regardez la version du second. Mon nom allo lui c'est bon, mon nom allo parole de Dieu, mi avant. Aki so, aki dali blanso sa kabati. Il a dit ma parole de Dieu, comment il a dit plus de versions. Tout empoché contre toi sera sans effet. Bon, ça, faut pas comprendre bien. Mais regardez la parole de vie. Regardez, allons-y. Aucune âme faite pour t'attaquer. Aucune âme faite pour t'attaquer. Ne peut te faire de mal. Ne peut te faire de mal. Oui, crois, ne peut te faire de. Allons-y, poursuis la lecture. C'est la fin là qui est intéressante. Allons-y. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Très bien. C'est pour ça que quand tu es marié, toi femme, que ton mari te trompe, le jour où tu dis. Il déshabille notre femme, il ne faut pas son kiki va s'élever, ça ne s'élève pas. Amen. Pourquoi ça s'élève? Il a dit qu'il y a son kiki va s'élever. Pourquoi son kiki va s'élever? Si ça s'élève, il va faire. Ok, continue. On est là, on est là. Il va faire. Vous n'avez pas prié. Seigneur, la petite la trompe. Elle prend mon mari. Faut faire prier comme ça. Bibien, c'est y'a des nègres qui le font. Elle ne voit pas on a quoi qu'à proposer. Allons-y. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Amen. Si ta part. Mais n'est même la Bologne. Dans la version, lui, c'est qu'on dit ton héritage. C'est-à-dire, tu n'as pas fait de vent. Dieu t'a donné ça. La tu as ça. Mon ami a dit. J'explique ça. Ok, c'est quoi ça? Un papa en plantation. On connaît que c'est en Afrique. Quand il meurt, on a des héritages. On le fout. Ça revient le droit aux enfants. You and one, yeah, Dieu dit c'est ton héritage. La Golone, à Gako. Anne va venir contre toi, ça va pas t'atteindre là. Ça doit pas se faire. Un dozon tissu, lui, ça ne rentre pas. Toi, chrétien, viens bouge. Tu n'as pas dit. Qu'est-ce que tu as fait? J'explique. Pourquoi ce verset-là? La Bible dit quoi?
Bible le dira. Dieu veille. La gloire. Allons-y. Écoutez la fin. C'est fini. Voilà comment je leur rends justice. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Moi, je le déclare. Allons dans le verset. Allons dans le verset. Avec en basson. Je vous montre toutes les choses. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Dieu n'aime pas menti. Iman. D'abord, que y'a. Très bien. On est Yokana. Vous êtes convaincu? Anubia. Vous êtes convaincu? Amen. Je vous pose la question. Vous êtes convaincu que Dieu ne ment pas? Aïe, mais vous pensez que Dieu ment? Vous êtes convaincu qu'il ne ment pas? Dieu dit, la goloba. Allons-y, prends la leçon. Je répète ça, pour que tu répètes. Parce qu'il a répété la pédagogie. Je répète ça très bien. Aucune âme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Amen. Aucune âme fétiche, lance-roquette, braqueur, te fait de mal, ça ne peut pas être. La gomme basson dit amen. Amen. Celui qui a dit ça. Moi basson, nagama mon basson. Qui cherche ça. Mon celui qui dit ça. Moi il rassort. Parce qu'il a su ta protection. Mais c'est moi bateau il doit protéger ses enfants. Tu au bateau you. Tu peux plus protéger tes enfants, tu n'es pas un père. Dégage. Bon tu viens de you ben bateau. Faut que tu dégages. Faut dégager. Vous voyez quoi? Il est notre papa. Moi le acho. Apprenons-moi nous. Reprends le verset. Reprends le puits. Aucune âme faites pour t'attaquer, ne faites pas de mal. Oui, crois qu'on a sauté.